Le ministre de l'Intérieur français a suscité l'indignation en Italie. Gérald Darmanin a accusé la présidente du Conseil des ministres italienne, Giorgia Meloni, de se montrer incapable de gérer les problèmes migratoires. Madame Meloni est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, a déclaré le locataire de la place Beauvau dans une interview accordée à RMC le 4 mai dernier. Depuis, les médias italiens s'emportent. Les propos du ministre de l'Intérieur français glacent l'ambiance entre Rome et Paris, a dénoncé une journaliste de la chaîne publique italienne Rai 1. Gérald Darmanin a tenu des propos très durs, vraiment très durs, à l'encontre du gouvernement italien. Si est-il la grosse crise, a estimé un autre journaliste sur la chaîne La 7. Enfin, sur une autre chaîne de télévision, le chroniqueur de Nov a critiqué durement le ministre, je le répète, ce type est un débile absolu. Sur les migrants, ils font pire que ce qu'ont fait nos pires gouvernements. Ils devraient la fermer. De son côté, le ministre des Affaires étrangères avait également riposté en annulant sa visite à Paris prévue le soir même, qualifiant les propos du ministre de l'Intérieur comme inacceptables. Et Giorgia Meloni de réagir, il me semble qu'il y a un grand décalage entre les discours du gouvernement français, en privé et en public. Je pense que ci est plus une question de politique intérieure française. Supérieur à supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne train un flux migratoire force n'est pas la première fois que la question migratoire est sujet de discorde dans les relations franco-italiennes. D'autant que ce début d'année a été particulièrement intense en Méditerranée. Depuis le janvier, déjà 42 400 personnes ont débarqué sur les côtes italiennes illégalement contre 11 200 l'année dernière à la même période. À l'approche de l'été, les flux migratoires devraient s'intensifier, de quoi élever encore un peu plus les tensions entre Paris et Rome. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.